Cette prière s'adresse aux personnes qui sont malades, qui désespèrent et qui n'en peuvent plus. Mon Jésus, je sais que tu m'aimes, mais celui que tu aimes est malade. S'il est possible, fais que la coupe de cette maladie s'éloigne de moi. J'ajoute cependant à ma demande ce que tu as dit à Gethsémani, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mon Jésus, fortifie-moi par ta grâce et console-moi. Mère de Dieu, salue des malades, prie pour moi auprès de ton divin Fils. Amen. Essayez de l'écouter très souvent. Je m'adresse aux personnes qui en ont vraiment besoin. N'hésitez pas. Pendant que vous l'écoutez, vous vous concentrez avec votre cœur et vous lui demandez à Jésus, « Mon Jésus, je sais que tu m'aimes, mais celui que tu aimes est malade. S'il est possible, fais que la coupe de cette maladie s'éloigne de moi. » J'ajoute cependant à ma demande ce que tu as dit à Gethsémani, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mon Jésus, fortifie-moi par ta grâce et console-moi. Mère de Dieu, salue des malades, prie pour moi auprès de ton divin Fils. Amen. Voyez-vous, mes amis, il faut prier avec le cœur, il ne faut pas hésiter. Même si une petite larme coule, il faut ouvrir son cœur et lui demander fortement à Jésus. J'ai traversé des périodes comme ça, et vous pouvez me croire, ce sont des litres de larmes que j'ai versées, et Jésus m'a entendu. Et aujourd'hui, je suis là, avec vous. Merci.